72. Dans la population, 8 personnes sur 10 ont répondu qu'elles ne voulaient pas des Jeux olympiques. C'est donc officiel. Les Jeux olympiques de 1976 auront lieu. Me fait mourir. Tu nous as gardé en vie, merci. Tu nous as pas assagi, tant pis. Bye, ne partez pas si vite. Bye, ne partez pas tout de suite. On peut se donner un dernier mec, même si c'est un. En 1973, Terre des Hommes, l'exposition permanente de Montréal sera ouverte au public du 24 au 26 juillet, inclusivement égyptien. 72 balles. Tu nous as gardé en vie, merci. Tu nous as pas assagi, tant pis. Bye, ne partez pas si vite. Bye, ne partez pas tout de suite. Le fun fait juste commencer. C'est parti pour durer au moins une autre année. 72 bye bye. Bye Bye 72, présenté par Molson, brasseur de bras d'or et des bières Laurentides Molson et canadiennes. Alors, rebonsoir tout le monde. C'est toujours Bernard Déconne. Et Pierre Navot. Eh bien, nous vous invitons. Bienvenue ici au Réseau France. Ici, encore une fois au Réseau. Je m'excuse, je crois que c'est à moi à parler là. Non, je crois que c'était à mon tour. Bon, en tout cas. Eh bien, la position des partis n'a pas changé depuis la dernière fois que nous avons parlé sur le réseau français de Radio-Canada, en ce soir d'élection. C'est toujours libéraux 109 et conservateurs 109. Je suis désolé de vous interrompre, mais nous avons un résultat ici dans Burnaby Coquitlam. Oui, je m'excuse de vous interrompre, mon cher Montour, mais j'ai ici les résultats dans Drummond, au Québec. J'étais en train de situation... donner les résultats dans Burnaby Coquitlam. Oui, mais ça, on s'en moque de Burnaby, parce que les gens sont intéressés de savoir, surtout, je pense, ce qui se passe dans Drummond, au Québec, non, actuellement. Non, je m'excuse, mais Burnaby Coquitlam est un comté clé très important, donc, dans la Colombie-Britannique, en conséquence... Donc, je disais que dans Drummond, au Québec, deux bureaux sur 207 donnent les résultats suivants. De majorité, 2847 voix au ministre libéral Jean-Luc Pépin, mais ce n'est pas final. Pour savoir ce qui se passe dans les prairies, cédons l'antenne à Lucien Niais. Merci Pierre Navot, ici Lucien Niais. Eh bien, voici dans l'Ouest la situation. Je pourrais faire les constatations suivantes. Je m'excuse de vous interrompre, mais nous avons maintenant la communication avec
avec Halifax. Nous allons donc avoir le discours du chef du Parti conservateur du Canada, M. Robert Stanfield. Électricité. Ce que j'ai à vous dire est 11 importants. Ce que j'ai à vous dire est 12 importants. Ce que j'ai à vous dire est 13 importants. On m'annonce que je suis élo, que je suis là, que je suis élu. Dans mon côté, j'ai l'intention de demander un recomptage. Et je ne sais pas, je ne connais pas mes yeux. Et cette fois-là, si vous voulez un premier ministre compétent, si vous voulez un premier ministre dynamique, votez pas pour moi. C'est-y assez fort. Eh bien, pendant que M. Stanfield nous parlait, si on peut s'exprimer ainsi, la situation ici à Montréal n'a pas changé. Il s'est toujours très serré entre libéraux et conservateurs. Les derniers rapports donnent en effet 109 à 109. Oh, je suis désolé de vous interrompre, mais cerveau électronique de Radio-Canada vient de faire une prédiction. Dans Drummond, si la tendance actuelle se maintient, nous aurons un gouvernement minoritaire. Je répète, si la tendance actuelle se maintient, nous aurons un gouvernement minoritaire. Oui, je pense. Enfin, en attendant, pour analyser la situation dans l'ouest du Canada, voici à Winnipeg M. Lucien Niais. À vous. Merci Bernard Desconnes. Ici Lucien Niais. Eh bien, dans l'ouest, je suis maintenant en mesure de faire les constatations. Je suis désolé de vous interrompre à Winnipeg, M. Lucien Niais, mais une nouvelle importante nous arrive ici, à la centrale. La position des partis a encore changé. C'est maintenant conservateur 109, libéraux 107. Une autre prévision de Radio-Canada. Oui. Si la tendance actuelle se maintient, nous aurons un gouvernement minoritaire créditiste. Qu'est-ce que vous racontez là? Je répète, si la tendance actuelle se poursuit, nous aurons un gouvernement minoritaire créditiste. Oui, c'est très, très logique. Ça coule de source. Imbécile. Mais j'ai un résultat intéressant ici, dans Charlevoix, au Québec. M. Gilles Caouette, créditiste, est battu par 12 voix. Ah, vous êtes dans les patates, mon cher. Je m'excuse, j'ai un résultat beaucoup plus complet ici. Dans Charlevoix, M. Gilles Caouette est élu avec une majorité de 56 voix. Eh bien oui, c'est confirmé, victoire de M. Caouette. C'est du reste une victoire sur les conservateurs. Mais nous allons avoir la communication d'un moment à l'autre avec Rouyn-Noranda. En attendant, voici la situation telle qu'elle se déroule en ce moment dans les prairies avec Lucien Niais. Présentement, je suis maintenant en mesure de faire les constatations suivantes. On s'excuse, M. Niais, de vous interrompre ici, mais nous avons maintenant la communication avec le nord-ouest du Québec, avec Rouyn-Noranda. Oui, nous vous transportons dans la demeure de la famille Caouette. Au moment où Réal s'apprête à donner des conseils à son fils Gilles en présence de Madame Caouette. Mon garçon, avant que tu entres au Parlement,
j'ai quelques conseils à te donner. Oh, j'y son père, je suis très attentif. Tout en changeant, aimeriez-vous déguster quelque chose? Non, merci, ma femme. Je suis jeune, ça fait plusieurs fois que je remarque ça. Tu devrais te surveiller quand tu parles. Tu suintes un peu trop à mon goût. Moi, je suinte? Puis tu postillonnes à part de ça. Je peux pas endurer ça, moi. Mon garçon. Oui, Champagne. La première chose à faire, c'est de te rendre au Parlement d'Ottawa et non à celui de Québec. Oublie jamais que t'as été élu au fédéral. Je le sais, Champagne. Ah, tu le sais, mais en 62, les premiers crédits qui ont été élus, il y en a une couple qui ont pris le gréement puis qui sont allés frapper à la porte du Parlement de Québec. Ils cherchaient leur siège. Il faut que tu attaches ta floune. Réal, tu sais très bien que notre garçon est plus intelligent que ça. Oh, Suzanne, j'aime autant pas prendre de chance. Deuxièmement, à Ottawa, tu vas être appelé à fréquenter des challenges et des réunions mondaines. Ça, j'ai chaud. Et peut-être même certains showers. Tâche d'être un peu moins gnochon que d'habitude. Nous, les créditistes, on passe déjà assez pour des incultes et des illettrés qui ne connaissent même pas le prénom de Napoléon. Sois pas trop exigeant, Réal. Ça va être la première session à laquelle il va participer. Mais dis-moi, Champagne, au Parlement d'Ottawa, est-ce que je vais pouvoir parler français? Ville, je t'en demande pas tant que ça. Parle comme d'habitude, ça va être la fin. Si j'ai des problèmes avec mes électeurs, qu'est-ce que je fais? Oh, mon garçon, il faut toujours faire face à ses problèmes. Oh, ça, c'est vrai, Suzanne. Fais pas comme ceux qui se mettent la tête dans le châble et pratiquent la politique de l'autriche. Que tu parles bien. J'aimerais chez ça, son père, que tu me dises comment faire un bon discours. C'est pas compliqué, Gilles. Il suffit d'avoir un dentier qui se décolle pas trop souvent. Oui, mais si j'ai une idée à faire pencher, qu'est-ce que je fais? Ben d'abord, tu commences par en avoir une idée. Ensuite, tu la répètes trois fois pour être bien sûr que tout le monde autour de toi a compris. As-tu compris? Oui, j'ai compris. Alors, pour vérifier si tu as compris, je vais te faire pencher un test. Suppose que tu veux expliquer à tes électeurs qu'une fois au pouvoir, tu vas améliorer l'administration du pays. Comment tu vas t'y prendre? Je vais changer l'administration car je suis un administrateur. Je vais apporter des innovations car je suis un innovateur. Je vais remplir vos aspirations car je suis un aspirateur. L'important, mon garçon, c'est d'être sincère. Sincère. Si t'es sincère, c'est certain que ce que tu dis risque de s'incruster dans le cerveau de ceux qui t'élisent. Et n'oublie jamais la devise de la famille Caouette. Exit canèche, chinet médaillage. Dehors, les chiens, pas de médaille. Eh bien voilà, c'était M. Caouette en famille. Une nouvelle intéressante ici, Une nouvelle intéressante ici, le gouvernement de la Grèce est très intéressé au déroulement de la situation au Canada. Cette information nous a été transmise par notre attaché spécial à Athènes, M. Gaëtan Barrett. Pour faire le tour de la situation dans les provinces de l'Ouest, écoutons une fois de plus Lucien Niais. Merci Pierre Naveau, ici Lucien Niais. Eh bien, dans l'Ouest, je suis définitivement en mesure de faire les constatations suivantes. Je suis désolé de vous interrompre, mais nous avons maintenant la communication avec Ottawa. À Ottawa, où M. Trudeau s'apprête à donner une conférence de presse. Allons. M. Trudeau, plusieurs observateurs croient qu'en restant Premier ministre, vous vous accrochez au pouvoir. Eh bien, je sais que dans plusieurs milieux, on répète que je m'accroche au pouvoir. Et qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, mon Dieu, c'est vrai. Ainsi du résultat de ce soir, qu'est-ce que vous pensez de M. Lewis?
Écoutez, dans le fond, j'ai toujours eu beaucoup d'estime pour M. Lewis. C'est un garçon sincère, honnête, courageux et, mon Dieu, très... très intelligent. Maintenant, que pensez-vous de M. Cahouette? J'avoue que M. Cahouette est un garçon pour lequel j'ai toujours eu beaucoup d'estime. Qu'est-ce que vous pensez des séparatistes québécois, M. Trudeau? Eh bien, dans le fond, quand on regarde la situation, j'ai toujours entretenu beaucoup d'admiration pour les séparatistes québécois. Ce sont des gens qui croient en leurs idées. Dites-moi maintenant, est-ce que vous allez vous pencher sur le problème du chômage? Eh bien, en ce qui concerne le chômage, je pensais jusqu'à ce soir que le gouvernement du Canada ne devait pas se pencher sur les petits problèmes niaiseux de chacun. Ferez-vous des compromis avec le NPD? Eh bien, en ce qui concerne le NPD, là, je serai très clair et très précis. On fera des compromis si nécessaire, mais on fera pas nécessairement des compromis. Dites-moi, est-ce que vous allez baisser les impôts, M. Trudeau? Mon Dieu, oui et non. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Soyez plus précis, s'il vous plaît. Eh bien, ça veut dire que si vous prenez votre question d'une certaine façon, à ce moment-là, ma réponse est oui. Et que si vous la prenez d'une autre façon, à ce moment-là, ma réponse est non. Et pour combattre le chômage, quelles mesures très précises allez-vous utiliser? Eh bien là, je peux vous répondre de façon très précise parce que nous avons eu un conseil des ministres à cet effet. Le gouvernement a l'intention, en gros, de prendre trois séries de mesures très concrètes à propos du chômage. D'abord, dans un premier temps, nous allons prendre une série de mesures pour faire diminuer le chômage. Ensuite, dans un deuxième effort, nous allons prendre une série de mesures pour combattre le chômage. Et finalement, dans un troisième et dernier effort, qui constituera le dernier temps de l'opération, nous allons prendre une série de mesures pour faire disparaître le chômage. Une dernière question, M. Trudeau. Quand y aura-t-il des élections? Ben, je suis content que vous me posiez la question. J'ai l'intention de faire amender la Constitution à cet effet. Désormais, les élections fédérales auront lieu au Québec seulement. Hey, c'est-tu vrai qu'il n'y a pas de plaie de glace autour de la patinoire en Russie? C'est vrai, certain. J'étais là. Ça veut dire, ça, CCCP? URSS? Tu sais pas lire, niaiseux? Première mise au jeu de ces parties mémorables sera faite entre l'équipe russe Bobrov, Karlamov, Mishakov, Mikhailov, Petrov et Strogonov et l'équipe Canada Sinden, Dryden, Ferguson, Berman, Stapleton et Gaberman. Nous allons maintenant faire brève pause pour présenter petit message de propagande. Je suis Ivan Kournoyov de l'équipe russe de Moscou. Laissez-moi vous dire quelques mots au sujet de mon nouveau téléviseur couleur de marque Siberia, fabriqué par le gouvernement soviétique. L'avantage, c'est que vous pouvez le louer, jamais l'acheter. Ma grosse lampe a pété. Je me suis plaint au Parti communiste de ma localité. Je ne le ferai plus jamais. Voici maintenant couple canadien-français visite Moscou pour hockey, monsieur, madame, Rosaire Lalancette. Monsieur, madame, comment trouvez-vous Russie? Moi, je pense. Oui, ça, c'est vrai, monsieur. Moi, je pense. Toi, Rosaire, tais-toi et laisse-moi parler. J'ai une crotte sur le cœur, puis je me gênerai pas pour dire ce que j'ai à dire. Les gens sont privés ici. Par exemple, hier soir, Rosaire a essayé de nous faire livrer du poulet barbecue à notre chambre d'hôtel. Il a jamais été capable. Il a demandé une cuisse puis une poitrine à la téléphoniste. Ah, il a formé la ligne au nez. Mais si c'est pas être privé, ça, je me demandais ce que c'est. Moi, je pense toi, que... Toi, tais-toi. À la place, ils ont insisté pour nous envoyer du caviar. Ça, c'est pas assez insultant, ça. C'est comme pour le crème soda. Crème soda? Oui, crème soda. Ah, da. Dans mon pays, le Canada... Canada, da. Ah. Dans mon pays, il y a jamais personne qui nous a refusé du crème soda. Moi, je pense que... Ça, veux-tu, s'il vous plaît? Ben, ici, il n'y a pas moyen d'en avoir. Ils nous ont offert du Volga à place. Et comment trouvez-vous Moscou? Moi, je pense, ben, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à voir, finalement, à Moscou. Une fois qu'on a vu le monument de Lépine et puis la place rouge,
Plus juste à rester à l'hôtel, puis jouer aux cartes. Mais place rouge. Mais je pense que... Rosa, veux-tu arrêter de dire des sottises? Il faut qu'on est sur les ondes actuellement. Ah oh, non. Moi, la place rouge, je pensais avoir des vrais édifices, hein? Comme la place Dupuis ou la place Crémazie. Est-ce que vous rapportez souvenir? Oui, un beau casse! Il l'a gentiment arraché à une grosse police au coin d'une rue. Je comprends pas ça, par exemple. Ah, pas aimé ça, la police! Ah! Oh, puis j'ai essayé de magasiner. Je vous dis que c'est pas facile. Ils ont pas les bonnes tailles pour moi. Faut pas passer de remarques, mais... Je vous dis que les femmes russes sont assez grosses à mon goût. Rosette, toi! À part ça, des magasins, il faut payer en roubles. Mmh. Ils acceptent pas une carte de crédit? Pas de crédit en Russie, yeah! Pas de crédit en Russie! Pas de compagnie de finance, je suppose, non plus? Niet! Mon Dieu, que les gens doivent être malheureux ici! Aimeriez-vous vivre ici? Oui, je pense que... veux-tu enfin me laisser parler? Moi, là, je ne pourrais jamais vivre derrière la draperie de fer dans un pays communiste et athéen. Moi, je pense que les gens ici ne sont pas libres de parler. Oui, puis la liberté de parole chez nous, on y tient. Hein, Rosaire? Hey, comment ça, si c'est chic dans cette maison-là? Hey, regarde. Le beau tableau qu'il y a sur le mur, là. Ah, je pense bien que c'est un Rembrandt. Hé, hey, ce Rembrandt-là, il était pas au Musée des Beaux-Arts dans notre temps? Ouais, mais ils se le sont fait voler. Non. Hein? Voyons, appelez-moi Claire. Claire Kirkland Casgrain, mon vrai nom, je n'en ai pas honte. Madame la ministresse, je déteste pas ça, vous savez. Bien. Oui. Ah, très joli. De qui ça? C'est un Bordua, madame. Ah, Bordua. Nous avons assez de jeunes peintres qui promettent là. C'est très bien, ça. Ah, oui. C'est un des sept. Ah, mais il y en a fait beaucoup plus que sept. Ah, oui, je suis sûre de ça. Ça ferait un très joli calendrier, moderne, très joli. Ah! De l'art pop, ça je sais, c'est de l'art pop. Ne me reprenez pas de l'art pop. C'est très gai avec les petites lumières, comme ça, petites lumières qui s'allument, qui s'éteint, rouge, là. Quelle belle couleur, oui. C'est très bien de mettre de la lumière dans la peinture, j'aime beaucoup ça. Oui, très joli. Ah! Ça, c'est un Picasso. Période triste et difficile d'accès. On dirait qu'il bouge. C'est un miroir, madame. Ah, ça, ne me le dites pas, je sais, là, je ne peux pas me tromper, je sais. C'est un Van Gogh, ça. En effet, madame, c'est un Van Gogh. Ah oui, ah oui, ah oui, les petites fleurs jaunes, puis les gros soleils qui tournent, là. Ah oui, absolument tourmenté, oui. Je me suis laissé dire... qu'il s'était suicidé. Mais enfin, c'est que... Oui, au gaz, c'est affreux, ça étourdit, paraît que c'est très pénible. Quelle mort affreuse, pauvre homme. Je dois vous avouer une chose, vous savez, la peinture, c'est mon violon d'Inde. Ah. Vous serez ravis, dans l'autre salle, vous verrez un Manet, de la Croix, un buffet. Non, le buffet un petit peu plus tard, j'ai pas tellement faim tout de suite. Non, je prendrai bien un petit café, c'est gentil d'y avoir pensé au buffet, c'est gentil, merci beaucoup. Vous savez que... À cause de mon métier, n'est-ce pas? Je voyage à travers les Europes beaucoup. J'ai vu des tas de musées, le musée du Prado et à Florence, le palais des petits. Oh, ils sont très petits, mais ils sont très beaux. Et le palais des Saints Offices, donc. Et la chapelle Sixtine, ça, la chapelle Sixtine, c'est très beau. Quand je pense à Michel-Ange, vous savez, qui a tout peint ça de mémoire par cœur. Quelle mémoire prodigieuse, à bout de bras, vous savez. Hein? Une patience d'ange, quand on pense que nous peignons nos plafonds avec un rouleau, à bout de bras aussi, on a le bras qui vous dit. C'est comme... Vous savez, Michel-Ange, c'est le mien. Je m'en cherche un, d'ailleurs, vous savez. Ah, la peinture, c'est mon violon d'Inde. Ah oui, j'aime bien, comme je vous dis toujours. Et vous savez, j'ai aussi à la maison une magnifique collection de peintures sur velours. Oh, intéressant. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc, une magnifique
pagode chinoise, non signée, mais authentique. Ah, ça, authentique, avec un cadre en bois tech, authentique aussi. Ah oui, très bien, très bien. Oh! Mon Dieu! Je ne peux m'empêcher, vraiment, c'est merveilleux. Mais de qui? C'est un boyau, madame. Ah! Quel talent! En tout cas, moi, je lui accorde la bourse de 5000 $. Un nom à retenir. Ah oui. Dînez bien, cher frère. Retrouvez le chemin de votre église. Venez assister à nos super bingos qui ont lieu, mes bien chers. Carrie, rien qu'une! Carrie! Dérange pas papa dans son travail! Qu'est-ce que tu regardes, là? Oh, je regarde les gens dans les maisons qui sont en train de se souhaiter la bonne année.
n'était pas tout seul. Un jour comme aujourd'hui, il y en a toujours un plus mal pris. Même aujourd'hui, t'es pas tout seul. Quelqu'un qui attend votre appel? Oui, puis il va attendre encore. Hein? Hey, hey, viens voir quelqu'un qui te ressemble dans le journal, là. Les découvertes de l'année, Roger Beaulieu et Jacques Normand. Toujours les mêmes. Ah, puis tiens, gars, la personnalité féminine de l'année, Marie-France. Marie-France? Bonjour. C'est moi, Marie-France de la Banque Royale. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Pardon, mademoiselle. Est-ce que vous parlez français? Hey! La personnalité masculine de l'année, le chanteur mineur à Réal V. Benoît. Voici la chanson qui m'a fait sortir du trou. Et ça va comme ça. Un, deux, trois. Je me pense bien plus fin que les autres, je suis un baveux. Je me pense pour le nombril du monde, je suis un baveux. Même si je travaille au pic qui appelle, je suis un baveux. Je suis pas prêt de retourner dans le trou, je suis un. Ça, c'est moins drôle, par exemple. Et qui, ça? Les grands disparus de l'année 72. Les cyniques. Ouais. Je les ai bien connus, moi. Tiens, l'homme de l'année. Qui c'est, ça? Ben, monsieur et madame Giroir. Ouais. La femme de l'année aussi. Qui, ça? Monsieur et madame Giroir. Toujours les mêmes. Je vous en supplie, docteur, sauvez mon ménage. Bon, écoutez, si on résume la situation, là, elle veut le divorce. Oui, le divorce. Michel! C'est elle. Oui. Et ici, chérie. C'est elle. T'as encore joué avec mes affaires pendant que j'avais le dos tourné? J'ai pas joué avec tes affaires depuis que t'es fâché. T'as touché à mon make-up pendant que je dormais? Oh, ton make-up, c'est bien trop personnel, chérie. Oh, puis appelle-moi plus, chérie. Désormais, t'auras affaire à mon avocat. Oh non, je vais avoir affaire à personne d'autre que toi. Genre, je m'en retourne chez ma tante. Non, n'importe où, mais pas chez lui. J'irai où je voudrais. Je suis libre maintenant. Puis tiens, patine ça. Reprends ta chaîne. Là où il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Évidemment, c'est un cas. Avez-vous essayé la douceur? Est-ce que j'ai l'air d'une brute? C'est encore toi qui as déshabillé mon G.I. Joe? Oh, non, je joue pas avec des catins, c'est pas mon genre. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Moi, monsieur, je suis un conseiller en relations matrimoniales. Ben, il n'y en a plus de matrimoine. Je veux divorcer. Réfléchissez avant de faire le grand saut. À part ça, il est insupportable. Jaloux. Il est même jaloux de mon piano. Il passe ses grandes journées dessus, docteur. Enfin, mon ami, un piano. Oui, mais il va d'une octave à l'autre. À part ça, il n'est pas honnête. Onche. Quand on joue aux dames, tu passes ton temps à manger. Quand on joue au pacabodeur, t'as toujours la main sous le mien. Jeu de main, jeu de vilain. Qu'est-ce que t'as à me reprocher? J'ai jamais été dur avec toi. Tous les matins, je te lave le dos.
Oui, mais tu m'égratignes avec tes grands ongles. Même quand t'as eu mal aux pieds, je t'ai emmené voir un pédérastre. Oh, pas fort de ça. Tu ne sais même pas faire à manger. Tout ce que tu sais faire, tu se décrines pof. Mais t'en manges. T'en manges. J'ai toujours mangé ci, mange ça, bois pas ça. Touche pas ça. J'en ai assez. J'étouffe ici dedans. Je vais divorcer. Bon, le mot est lâché. Divorce si tu veux. À l'avenir, je me consolerai tout seul. Mais voyons, mes amis, un peu de calme. Allez. Je pense que j'ai trouvé la cause de vos malheurs. Qu'est-ce que c'est, docteur? Si on prend comme point de départ la théorie des vases communicants. J'embrège un peu, là. Un d'entre vous deux devrait être une femme. Et comme c'est visiblement pas le cas, ben, je vous conseille le divorce. Oh, mon tout! C'est divorce, est-ce que je vais rester avec mon papa ou ma maman? Sais-tu, si les passants étaient plus généreux, on pourrait aller au moins au cinéma une fois par année. Oh, voir quoi? Ouais. Ben, je sais pas, regarde, il y a un film, là. La vraie nature de Lise Payette. Un programme double. Oh, n'importe quel soir, mais pas ce soir. Ah bon? Il y en a un autre film, c'est le film d'Yvon Deschamps, là. Le film drôle, là, qui joue dans 15 cinémas en même temps à Montréal. Ah, oh, l'argent vient vite. Ah oui, c'est ça l'histoire du gars du français qui vient travailler ici parce que chez lui, il ne colle plus rien de ça. Non, ça c'est... On a notre voyage. Ah. Il y en a un autre, là. Au cinéma, là-bas, c'est The Godfather. Ah ben moi, je comprends pas l'anglais. Ça n'a pas d'importance, c'est un film italien. Ophélio, c'est clair? Si, maman. Tu les rencontres à 9h et tapant entre la rue Giantalone et le Castelnau. Et tu lui fais une offre. Et s'il refuse? S'il refuse, tu lui fais une offre qu'il ne peut pas refuser. Maman. Qua, mio figlio? Maman, j'ai la chienne. Mais non! Au canal 7, toutes les astres sont avec toi, te sont favorables. Il ne faut pas voir la sienne là, mio bambino, non. Manolesco. Sì, Manolesco. Mamma mia. Sì. Va, mio bambino, va. Santo Filippo, sì. Buongiorno, mamma. Va, buona fortuna. Grazie, mamma. Mio figlio. Ah, se si può finire, siete mudite dossier là. Stavamo per morire, sa. Mi da terra, c'è l'inera terra. Se la stomaca che mi gargoglia, là, sei fai. Donna! Vieni qui! Vamo commander una pizza a Montréal et Nord! Avec des anchois? Si! Des champignons? Si! Des piments? Si! Des pepperoni? Si! De la saucisse? Si! De la sauce tomate? Si! Et du fromage? Non! Santa saputa! Pas de formaggio! Tu veux me faire mourir? C'est ça que tu veux, me faire mourir? C'est ça que tu veux? C'est très bien, non? Godmother? Quoi? J'ai un peu peur. C'est très bien que tu aies peur. C'est très bien. C'est que... J'aurais une faveur à vous demander. Une faveur? Quand on demande une faveur, on enlève les sabots. On te fait comme un homme. Demande la faveur. Je t'écoute. J'aimerais ça changer de job. Encore? Bon. Avoir une job plus respectable. Une job respectable. Avec des sidelines payants. Et des sidelines payants. Mm. Est-ce que tu as un diplôme? Mm? J'ai mon diplôme de 5e année B. Très bien. Je vais te faire entrer dans la police. Quand tu seras dans la police, tu vas rencontrer des gens importants, des gens haut gradés, des sergents. Tu vas me faire une petite faveur. J'aimerais bien ça, revoir ma télévision couleur. Comptez-tu, mon garçon? Très bien. Je compte sur toi. Arrête de m'embrasser comme ça. Tu trembles. La maladie de Parkinson, ça m'énerve. Va, tu dans les sapouves. Attention. Marcel, tu vas l'écraser. Pauvre femme, pauvre. Vieni qui. Oh, Godmother. Oh, Marta. Che bella ragazza, avec la robe rose et la fourrure. Regarde-moi ça. Je vous dérange pas. Pas du tout. Mais tu es une femme prospère. Assieds-toi. Regarde-moi. Que belle. Regarde-moi. Oh, montre la main.
Oh! Oh, la belle irigna, les belles diamants, que beau ça, avec oh, plusieurs carats, que belle! C'est très gentil à toi de me l'offrir. Je te remercie beaucoup, c'est très gentil. Ça me fait plaisir. Je suis sûre que ça te fait plaisir. Qu'est-ce que tu veux? Oh, je vous apporte l'argent, Godmother. L'argent? Pas beaucoup? Qu'est-ce que ça passe? Oh, les affaires vont très mal, Godmother. Figurez-vous que mes filles sont en grève depuis une semaine. Les pimps font des journées d'études, puis depuis hier, par sympathie, les call girls répondent plus au téléphone. Tanta putana! Mais c'est les bordels? Je vous jure que mes clients commencent à avoir la langue pendante. Mais faut leur remonter ça, voyons, Martha. Grouille-toi, voyons. Mais remets-toi au travail. Bouge-toi les gagne-pain, fais quelque chose. Godmother, j'avais pensé ouvrir un sex shop avec des poupées qui gonflent. Ah, on est sexy shop. C'est pas mal, ça. Quand la main-d'œuvre coûte trop cher, il faut la remplacer par les machines. C'est bien. Mais Godmother, c'est parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Mais je vais te prêter. Tiens, oh. Voilà. 25 % intérêt composé. Oh. Parce que c'est toi, Martha. Oh, merci. Ah! Un dos pour l'inter. Faut encourager nos œuvres. J'espère qu'il va marcher, mon sex shop. Mmh, c'est très simple, faire de la publicité. Oh, faire de la publicité, mais c'est pas facile. On avait un très bon commercial à Radio-Canada, mais ils nous l'ont enlevé. C'est les paradis terrestres. Santa Radio-Canada, Santa Marie du gars. Ils ont eu raison, c'était trop cochon. Est-ce que les 10, ils auraient passé ça dans sa canal? Et non. Les autres, ils ont Claude Blanchard. Godmother? Oui. Mais faites demander. Si je vais te boire, Martha va m'attendre dans le hall. Je te parlerai plus tard. Quand on y vient d'asseoir, elle est quoi? Je suis pas très contente de toi. Depuis que tu t'occupes de la drogue, les profits ont baissé de 20 % Tu te rends compte? Si ça continue comme ça, on va t'obliger de demander une subvention au ministère de l'Expansion régionale. Bah. Attends, les coups de feu! Les coups de feu, mais non, c'est pas entendu. Mais oui, pourtant. Mais non, c'est pas entendu. Godmother, il vient de tirer sur votre fils Guido. Oh, Guido! Guido, mio figlio! Oh, il ne peut pas faire ça! Mon enfant, il ne peut pas mourir au moment! Il ne peut pas! Santa pègre, me l'ont tué! Guido, Guido, c'est pas possible! C'est pas possible, mio figlio! Mama! Mama! Guido! Guido! Tieni, va! Vieni, mio figlio! Martha, ma non ti dare cosa da preparare nella maison! Oh, che se sei contente! Che se sei contente! Mamma! Qua! Regarde ce che tu fai! Qua! Ah, santo opera! Le violon di confador, se dai le violon di la mitraillette! Pardonne-moi! Mio figlio, pardonne-moi! C'est pas fait exprès, mon Dieu, qu'est-ce que c'est passé? Si, maman, je te pardonne! Oh, si tu es gentil, mon amour! Que... Ah! Ils m'ont tiré dans les bras. Mais non, tu n'as rien du tout, voyons. Tu n'as même pas une égratignure. Qu'est-ce que ça va aller comme ça? On va mettre un plaster et un pot de malcourou-chrome. Maman. Tu as la flotte, tu vois, il est arrassé. Voilà, il a cravate. Maman. Viens t'asseoir. Mais la boîte est là. Tu veux un sang, des seins pareils, arrête de te plaindre. Santa pedra, santa ma fille, tu vas en manger une. Non, maman. Bon, reste tranquille. Voilà. Et maintenant, qui va écouler la drogue? C'est très simple. C'est très simple. C'est mon fils Guido, mio figlio, qui va s'en occuper. Maman! Quoi? Mais ma, que j'ai jamais coulé de drogue de ma vie! Mais c'est très facile, voyons! Lundi prochain, on va t'inscrire dans un cégep! Notre jeunesse s'en va chez le diable! Et chez moi, Camille Chanchon qui vous le dit! Dans les discothèques, les étudiants se draguent, mesdames et messieurs. Ça respire de l'héroïne, puis ça se pique avec de la colle d'avion. L'autre jour, pour savoir de quoi je parle, j'ai fumé un peu de hachiche. Il m'est arrivé des choses qui m'étaient jamais arrivées, mesdames et messieurs. Après 2-3 touffes, mon cerveau s'est mis à réfléchir. J'espère que la grève des vidangeurs va durer encore longtemps. Parce que le carré de Mignonne, il nous fait bien manger. Puis il nous fait ménager à part ça.
Alors voici, monsieur, vos obligations d'épargne du Canada. Écoutez, bon Dieu, on a tous une bonne raison, puis... moi aussi, maudit, faut bien que je pense à mon avenir. Bye Bye 72, présenté par Molson, brasseur de bras d'or et des bières Laurentides Molson et canadiennes. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis prêt à tuer des rats. Veux-tu vous aider? Tiens, occupe-toi des chiens, toi. Ici, Lise Payette. J'ai trouvé la solution aux meubles lourds, massifs et difficiles à déplacer. Employez les roulettes Shedder. Avec les roulettes Shedder, vos gros morceaux se déplaceront facilement. Hey, bien ouais, au Canal 2, le gala de 20e anniversaire de la télévision. Comment, c'est pas encore fini, ça? Non, non, oui. Et vous vous posez des questions. Qui parais-je? C'est-tu vrai? Dis-moi donc, ben voyons donc. À Radio-Canada, il n'y a pas tant à dire que ça. C'est des petits gars ben ordinaires. Des chanteurs populaires, c'est des vedettes à leur manière. Sauf qu'eux autres se prennent pas au sérieux. On les trouve dans tous les milieux. Ils sont payés à...
show. J'fais rien que des commerciaux. J'ai pris des ports, des belles histoires. Moi j'ai pris l'œuf à la poule au jeu d'or. T'aurais dû prendre de l'argent et des cours de chant. Continue comme ça.